Une fin d'année 2020 chargée pour le basketball gabonais. Alors que l'instance FETIA tiendra son assemblée générale extraordinaire en décembre prochain, les différentes ligues du pays tiennent également les leurs. C'est notamment le cas de la Ligue de basketball du Wellentem. Les 8 clubs et associations qui ont pris part aux activités de la Ligue pour la saison 2019-2020 s'étaient donné rendez-vous à la Direction provinciale de la jeunesse et des sports. Seul candidat en lice, Pierre Assoumou Essangui, d'ailleurs, président sortant, a été plébiscité lors de ce vote. 8 inscrits, 8 ont voté, et M. Assoumou Essangui a eu 8 sur 8, donc un pourcentage de 100%. M. Assoumou Essangui, à l'issue du vote qui vient de se dérouler, donc vous êtes gagnant, je vous installe dans votre fauteuil de président de la Ligue de basket. Une aubaine pour le président de la Ligue de basketball du Wellentem qui veut mieux faire tout en consolidant les acquis. Notre projet de société s'articule autour de 4 points. Administration, juridique et comptable. Développement et vulgarisation des activités sportives. Infrastructure et moyens. Communication et marketing. Outre cette assemblée générale élective, la Ligue du Wellentem, qui compte 215 licenciés, s'est entretenue avec la Basket Academy League. L'occasion pour les deux entités de faire le bilan d'une collaboration qui se veut franche. C'est une collaboration qui est franche et sincère. Un partenaire qui vient pour développer le basket, c'est une franche collaboration. On a toujours discuté dans le cadre du basket, comment développer le basket, comment amener la grande majorité des enfants à partir de la rue pour se retrouver à jouer au basket, même si ce n'est pas de façon professionnelle, mais au moins sortir du cadre de la rue. On a ce qu'on appelle l'envie de transmettre tout ce qu'on a eu comme expérience dans le basketball au plus jeune. Et nous avons été plusieurs fois accompagnés par la BACLI durant ces deux dernières années. Elle nous accompagne au niveau matériel, structurel et de différentes autres manières. Elle nous assiste avec les conseils, le management, pour essayer de former et accompagner les enfants. Ce week-end sportif s'est ainsi achevé avec ce que ces messieurs savent faire de mieux, jouer au basketball.